Hier après-midi, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une motion de rejet du projet de loi portant sur l'immigration et l'intégration. Hier, ce n'est pas une majorité de propositions qui s'est constituée, mais une majorité de refus. Ce n'est pas une majorité alternative qui s'est dessinée entre des élus qui, au fond, n'ont pour seul point commun que la volonté de bloquer un texte gouvernemental parce qu'il est porté par le gouvernement. C'est une majorité qui montre son refus de la recherche du compromis. Et parce que nous estimons qu'il est fondamental de mieux lutter contre l'immigration clandestine, qu'il est fondamental de mieux encadrer l'immigration économique, qu'il est fondamental de mieux intégrer ceux qui ont vocation à rester sur notre sol, le gouvernement convoquera une commission mixte paritaire au plus vite, toujours dans une démarche pour débattre et chercher un compromis entre la majorité et les oppositions.